Méditation du 18 décembre, amour qui sauve. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, versets 4 et 5. Le psychanalyste René Spies a mené une étude éloquente au milieu du 20e siècle, dans le but d'analyser le développement de l'enfant. Il a comparé deux grands groupes, l'un constitué de 220 enfants venus de la garderie d'une institution pénale où ils avaient été élevés par leur mère détenue. L'autre groupe constitué de 91 enfants que leur mère avait élevés jusqu'à l'âge de 3 mois, puis qui ont été séparés d'elle pour être placés en pension, aux soins d'une nourrice qui s'occupait de 9 autres enfants en même temps. Les enfants des deux groupes avaient en commun l'âge, le milieu, l'alimentation et l'hygiène de l'institution où ils vivaient. Ce qui les distinguait en revanche était l'affection qu'on leur donnait. On a associé au taux élevé de mortalité du second groupe le manque d'affection. 37% des enfants n'ont pas franchi l'âge de 2 ans. Ceux qui ont survécu ont souffert d'un retard global de leur développement, avec par exemple de sérieuses difficultés pour marcher. La gravité de la maladie était directement proportionnelle à leur carence affective. S'ils retournaient auprès de leur mère dans les mois suivants, ils récupéraient sans complications majeures. Grâce à ces observations, Spitz découvrit un principe fondamental du développement humain. Il n'est pas possible de vivre sans amour, sans affection. L'être sans défense tombe malade et meurt. Mais quelle qualité a l'amour qui sauve des vies? Il s'agit d'un amour désintéressé, sans égoïsme, qui ne cherche que le bien de la personne aimée. Un amour altruiste, patient et plein de bonté. Un amour qui ne tient pas compte des erreurs et qui est prompt à pardonner. Un amour qui ne perd jamais l'espérance et qui supporte tout. Voir 1 Corinthiens 13, versets 4 et 5. Il est possible que vous n'ayez pas fait l'expérience d'un tel amour avec vos propres parents. Celui qui a manqué d'affection durant son enfance peut se sentir blessé ou avoir un amour limité. Néanmoins, notre Père Céleste est capable de restaurer le passé. Voir Ecclésiaste 3, verset 15. Et de même que le déficit affectif des enfants qui ont été rendus à leur mère a été comblé, Dieu réparera le cœur le plus blessé et bannira la crainte. Voir 1 Jean 4, verset 18. Souvenez-vous que le grand amour dont il nous a aimés nous donne la vie éternelle et le salut. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.